c'est vraiment curieux ça qui a passé actuellement là. Pour un officiel du gouvernement américain débarqué en Haïti pour ne pas rencontrer un élu république là. Ça qui veut dire tirer Sénat qui rete ya, parce que c'est celle lui-même qui gagne légitimité. Après que Brian Nichols et toute délégation qui était accompagné ya, te fin rencontrer membre Accord Montana, on dit pas membre Accord Montana, fin rencontrer Magali Komodoni ensemble avec Fritz Jean-Alphonse et rencontrer ensemble avec PM Ariel Henry, nous te rete quoi ou t'après rencontrer ensemble avec Sénat républicain et puis société civile là. Mais on dirait pas gen bagay kon sa ki fait. Qui donc, qui ça qui a passé exactement? Qui plan qui gagne exactement? Puisque les États-Unis pral essayer voter une résolution très bientôt afin pour yon geler tout compte et aussi mettre une interdiction de départ contre Jimmy Cherizier alias Barbecue. Nous connaissons qui m'a dit pour déposer les armes, faut qu'il joigne une amnestie côté, y a promettre li, yon pas poursuivre, yon pas pété avis de recherche, yon pas arrêter. Tel et la vive ta kou yon citoyen en de pays ya. Donc est-ce que ça a pas poussé nous réfléchir et ensemble nous prenons le temps de regarder yoti vidéo ensemble avec moi qui a parlé de décision les États-Unis prend pour capable cancel visa yon paquet citoyen. En parlant de cancel visa, mesdames et messieurs, Liz Kittel, ministre intérieur, garde seulement, yon refuse, yon visa Schengen côté te gagné pour le déplacer en Espagne, pour la visiter madame li Barbara Kittel, qui a vive dans le pays ça depuis quelque temps. Eh bien, ambassade là, refuse Liz Kittel visa Schengen. Qui ça qui a passé? Gou paquet question qui a posé actuellement là, nous supposer qu'on est qui ça yoye. Et puis devant, nous gagnons Stanley Lucas qui t'a essayé parler de Lisa qui sorti côté les États-Unis, t'a décidé qu'il ne s'est visa yon paquet moun. Mais ça nous supposer qu'on est, c'est que gagner des décisions qui apprend tout bon vrai. Mais Lisa l'a prêté confidentiel. Nous ka toujours connaît qui quantité de monde qui sous liste là, mais jamais connaît non monde qui sous liste ça yo. Est-ce que c'est une précaution que les États-Unis apprend ou du moins est-ce que c'est un jouet qui a joué ensemble avec Haïtien? Et puis devant nous gagner Moïse Jean-Charles, ancien sénateur Nord, qui déclarait 17 octobre qui a venu là, qui a marqué date qui a été assassiné Papa Nation pour débarquer devant l'ambassade américaine pour venir manifester. Nous prenons des déclarations, Moïse Jean-Charles. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5, chaîne Information Noir avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique Information ça. Et bien avant nous aller plus loin après temps, pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage, et merci ensemble avec vous-même qui va jamais suspendre, inviter une famille ou un ami, venez abonner ensemble avec Info 5, puis être capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi à ce vendredi 14 octobre 2022. Comme à l'accoutumée, mais nous toujours commencer rubrique nous ensemble avec une information qui pas fait partie de Titio mais qui est vraiment essentielle. Qui sa information ça y est? La police nationale d'Haïti annoncé que l'y arrêté jeudi 13 octobre 2022 à Joli Cœur Romain alias Coucou à Lillavois pour implication dans enlèvement suivi de séquestration de yon sexagénaire. Victime non, selon la police nationale d'Haïti, yo prend la cali dans la nuit 12 pour entrer 13 octobre 2022 dans Lillavois 1. Eh bien, moins d'une nuit et d'une journée, non mais bandit sa yo, la police nationale d'Haïti qui t'a fait tout ça qui n'a possible pour être capable de joindre moun qui fait séquestration ça. Yo sexagénaire, nous connaissons moun qui est dans 60. Et dans le moment où on a parlé là, c'est comme si nous avions gagné une chasse aux Haïtiens américains. Nous sommes dans la semaine qui s'est passée, vite l'homme lui-même était arrivé, assassiné. Il y a un grand monde qui a gagné plus de 80 ans et qui a tapé Maril. Côté normalement, mesdames et messieurs, Mounsayo, c'est Haïtien américain que vous avez. On dirait que vite l'homme a gagné un problème direct ensemble avec Américains dans le moment où on a parlé là. Est-ce que c'est une façon pour
li attirer attention les États-Unis sous li nous pas connaît mais celle ça nous connaît gagne un paquet moun qui a victime actuellement là nan base 400 maozo te gagne drapeau les États-Unis faut que tout comme ça malgré te kidnappé 17 missionnaires yo et mais je jodi à là yo commencé mettre yo à terre pour yo monter drapeau la Russie. Est-ce que c'est une provocation qui a fait nous pas connaît parce que nous pas joindre détail définitif qui capable permettre nous mesdames et messieurs informer exactement de raison qui la cause vite l'homme lui-même il commence à massacrer citoyens haïtiens américains qui fait partie de moun qui a vive nan pernier et situation continue compliquée pour moun kwade bouquet puisque vite l'homme continue à marcher attaquer base 400 maozo et nous connaît gagner des dommages collatéraux à travers guerre sa yo qui déclarait tout temps entre groupes armés si la yo. Et voilà, et bien avant nous entrer dans le détail, titio tout, mesdames et messieurs, nous gagnons Winco qui déclarait gagner yon attaque qui fait sous centrale Varoua, côté normalement là, des hommes lourdement armés débarqués en dedans pour être capables de voler gaz. Qui est ce yé? Nous beaucoup connaît mais en attendant nous supposons informer de ça qui a passé dans pays puisque hier soir jusqu'à 11h du soir gagnon plus cartouche qui a tiré dans zone pas en bas yo plus cartouche donc groupe bandit continue à faire la pluie et le beau temps en dans pays ya kounya la en jambe dans développement titio mesdames et messieurs. Brian Nichols débarqué en Haïti et d'habitude, les officiels du gouvernement américain débarqué dans le pays ici-là, ils rencontrent ensemble avec moun ki élu yo. C'est ça que démocratie a lui-même li mandé. C'est ça que démocratie a lui-même li fait connait. Donc là, Brian Nichols vini, ils rencontrent Magali Komodoni, ils rencontrent ensemble avec Ariel Henry, ils rencontrent ensemble avec Fritz Alphonse Jean, président Accord Montana. Est-ce que consensus là, c'est dans mi temps deux groupes moun sa yo l'ap sorti directement? Consensus ça, accord politique ça que y'a cherché à, est-ce que c'est là yo vle sorti pour capable gérer pays d'Haïti nan groupe pa yo? Si nous pas rencontrer élu yo, donc pas gen rien qui fait de la diplomatie. Est-ce que nous comprenons? Donc, bagaille vraiment compliqué. Dis-on pas quelle question qu'a posé là. Qui ça qui a passé exactement ensemble avec les États-Unis? Eh bien, mesdames et messieurs, ben nous bon entendez, déclaration officielle gouvernement américain ça. Entendez. Responsable département d'État fait connaître gouvernement américain révoqué visa quelques actuels et anciens responsables gouvernement haïtien qui en a fait avec organisation criminelle. The United States government is accelerating our diplomatic, humanitarian, and security response. We are coordinating with international partners as well as with our international partners et plutôt agence gouvernement pour nous augmenter assistance dans le domaine sécurité qui pourrait faciliter déplacement aide militaire. Nous fait tout ça nous capable dans niveau bilatéral et multilatéral pour exiger tout acteur criminel cap empêcher assistance humanitaire nous arriver joindre haïtiens qui besoin prend responsabilité. Price dit restriction visa yo envisagé voyer un message clair. With these visa restrictions we are sending a clear message that those les dit restriction visa yo voyer un message clair par moun k'ap appuyer gang haïtien yo ak lòt organisation criminelle financièrement ou bien k'ap voyer matériaux ba yo ça k'ap participer dans trafic zam illégal, trafic drogue ensemble ak mam famille yo que États-Unis pa vle yo la kayli. Price te prend la parole le moment secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphère occidental, Brian Nichols, a fait une visite deux jours dans Port-au-Prince, côté de rencontrer membres divers secteurs. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Voilà, nous sommes suivis ensemble avec moi, étendez exactement. Faut que nous connaissons encore une autre fois, l'ISLA lui-même, li confidentiel. M'bien dit, pas de nos moun qui a fuité sorti dans la rue pour nous connaître qui est ce cancel visa, ou du moins qui est yo pas cancel visa. Mais Stanley Lucas a essayé de bailler plus de détails sur quelques informations lui-même, li arrivé au courant de yo. Entendez déclaration, Stanley Lucas. Je dis que si blanc veut résoudre le problème gang, on commence par troisième étage là, qui a trois anciens présidents.
avec oligarque qui gen passeport étranger ou pas gen passeport haïtien et pour ça révoquer visa son excusez-moi son bluff li saisi compte en banque yo et saisi compte en banque là li gen 14 catégories là-dedans. Première catégorie sans nous pas rentrer dans non oligarque yo gen 15. Deuxième catégorie ancien président yo gen 3. Bah, nous gagnons en pile plus que trois anciens présidents vivants. Et c'est trois cladans. Officiel gouvernement qui n'a l'État, qui n'a gang, gain 13. Sénateur en fonction qui n'a gang, gain 3. Ancien parlementaire qui n'a gang, gain 17. En dans CSPJ, à juge cap coré gang, gain 32. Dans le commandement de la police, n'est cap coordonné fantôme 509, gain entre 4 et 6. Policier qui n'a gang, gain 80. Leader politique qui nan gang gen 8. Chef de gang yo 53 et plus. Nèg koude kont kap kore pa deye gen 2. Dwazi men ki nan gang gen 3. Journaliste ki ap kore communication gang gen 4. Lobbyist blanc kap fè démarche nan Washington indirectement kap kore gang gen 2. Gen 14 catégorie nan lis la. Puis, ça veut dire que à travers le ministère du Trésor des États-Unis, en moins d'une semaine, Américains ont une capacité mondiale pour freeze contre banque Mounsaïo. Pour qui ça n'a pas fait? Pour qui ça a été révoqué visa? Tout le monde a révoqué visa là, dans 4 ou 6 mois, et après, il y a le visa encore. Il n'y a pas de révoqué visa, il y a un SDPO. 4 mois après, le patron jeune visa, il monte New York, la loi madame Nia Petitli. Moi-même, bon solution réelle de la situation. Et solution réelle de la situation, l'Ipana Montana, l'Ipana Ariel avec accord 11 septembre, l'Ipana Conseil de transition. M'a répété l'encore dans l'émission. C'est l'application de l'article 149 de la Constitution qui dit ou pas qu'à mettre président, l'offre toujours président. Son premier ministre à gouvernement pour mettre. Premier ministre qui doit remplacer Ariel là pour garantir que tout cob l'État retourne dans la province, chaque département bail 2 moun en fond, mon garçon, libo 20 moun, nan mitan 20 moun sa yo, nap mette premier ministre là ak 18 ministres là. Laisse ça, c'est pas oligak qui fit tanan, kap jouer poker nan Peggyville ou bien nan Bonne Calvaire, Calbo gouvernement. Stanley Gonzami qui mirbalé, qui dit m'gonzan, tant pris, chiffre sa yo. Koto jwenn yo parce que le ta remè gen sous yo. En fonction de qui ça ou aller chez okay. Ça yo même. OK. Et zami, gon bagay pou fè tout document qui publié qui public pa jam jete yo. Toujours collecté yo. C'est pi gros source d'information. M'a bon exemple pour ka comprendre. Gon livre général Prosper Avril te publié sur l'insécurité en Haïti. Livre que général Avril, ancien président pays a, t'es publié sur insécurité a. Libo tout moun yo touye, qui lè yo touye yo, qui jan yo touye. Ou na ki sa le fait livre lan? A coupure de journaux et rapport de presse. Li fait recherche yo. Tout sa map dou la yo, c'est des informations disponibles que yo ye. Par exemple, lè yo dou, mes journalistes qui nan gang, c'est des rapports de presse qui ba yo. Le ou dou men oligak ki nan gang. Depi soal YouTube, bon, ma bon exemple, zami mien balè. Soal sou YouTube, ou pren déclaration barbecue, ou pren déclaration vitel homme, ou pren déclaration chien méchant, ou pren déclaration iso util appli, ou jwenn affiliation ou tout oui. Voilà, nous sommes de Stanley Luka qui vraiment sûr de ça la raconte yo, mais qui évite quand bien même. Bay des détails que li poko au courant de yo. Donc, li poko sorti dans la rue, mesdames et messieurs, c'est ça nous supposer au courant de lui. Eh bien, li skitel continue à prendre frappe. Gros frappe, mesdames et messieurs. Kidnapper, ok? Qui manquait faire retourner pasteur à cause de madame Lian. Après ça qui déclarait c'est parce que t'es prié qui fait bon Dieu la vie à Banou Ariel Henry comme premier ministre et bien Amnik a gardé li que Espagne refusait le visa Schengen pour la loi famille pour la loi madame Lian.
bagay la compliqué parce que immédiatement après que les États-Unis fin prend décision cancel visa yo paquet autorité et moun ka financer gang en de pays ya et bien Espagne même li pose yon action comme ça et tout moun est-ce que action ça yo pa lié ou a posé ta tout question et mais moi même tout m'a posé tête point question wa. Est-ce que action ça yo pa lié parce que go paquet moun la en de pays ya. Nous tout la connais qui s'est passé ensemble avec yo. Estelle Lucas déclaré gagner deux anciens présidents qui dans liste là. Qui ancien président que yo yé? Et nous connais que pays d'Haïti chargé ensemble avec ancien président. Go paquet là dedans qui se servent aux criminels en dans pays d'Haïti. Nous mettre clair sous ça, nous pas besoin peur. Et mais je dis à là, il est vraiment important pour nous capables caler chez nous. Mesdames et messieurs, puis devant nous gagner leader parti Petite Dessaline Moïse Jean-Charles qui a fait une déclaration qui vraiment important pour nous capables tendez. Entendez Moïse Jean-Charles. Peuple haïtien. Yo rejeté présence américain yo qui était sous sol pays hier. Nous rejeté soi-disant délégation qui est venue hier. Où est-ce venu? À qui mon yo réuni? Yo réuni avec agent yo. Yo réuni avec esclave à talon, esclave domestique yo. Yo réuni, réunion yo fait yo. Li pa engage nou peuple haïtien. Nou, sa mande yo, li sep. Nou mande, te pa ayer. Nou mande, monsieur Bokyo, corrige kaye yo. Peuple haïtien, nou vin mande pardon pou moun yo ki ta rencontre avec délégation américaine nan. Et nous même petit Dessaline yo, nan pou parler avec américain yo, devant la presse palais. Écrit de télévisé. Nantio, Haïti pas yon état des États-Unis. Nous sommes pays. Merci. Nous, on ne peut pas comprendre. Pour nous, on crise là, quand nous. Haïti ont décidé pour cette crise là. Blanc ça yon, depuis 200 ans, yon monte descendre. C'est un même qui fait créer prison pour leur dire qu'il y a une solution. Écoutez, nous avons un nom qui dit il y a des informations sur tout le monde qui a fait un mauvais bagage dans le pays. Pour mon frère haïtien, nous avons une relation bilatérale avec les États-Unis. Et la plus souvent, c'est vous qui êtes président. Vous ne pouvez jamais parler d'Haïti d'informations. Vous dites mais qui moun. Et puis c'est aujourd'hui. Papa, comme mon papa, vous voulez prendre une solution pour nous, ou de faire déjà, ou faire l'enfant, ou pas qu'à répéter l'enfant. Jamais, États-Unis échoué, système non échoué, gouvernement qui l'a échoué, formez un autre État pour remplacer l'État Sahara. Il y a un État qui permet tout, j'étais avec tout le monde, mais nous pas bien maître, nous pas bien patron. Avec les Haïtiens, c'est pour nous connaître, l'éducation qui est là. Nous rejetons la délégation ça. Et nous disons, anti-maître, anti-patron, est-ce que nous disons, il n'y a pas qu'à décider pour nous. Nous n'avons pas qu'à faire avec Bokyo. Et puis moi, c'est mon bon de comme le Wabrené. Imaginons, en 1998, 1999, qui est-ce qui était pendant 10 jours en Dame centrale, l'État gouverneur Bokyo. Qui est-ce qui peut causer de là? Car la guerre n'a pas privé. C'est plus jamais. Yo t'as pris nous. Si t'as d'accord, on va régler ça. Comme esclave, esclave en talent, esclave domestique, yo. Nous ne pouvons pas retirer un esclave domestique pour mettre un esclave en talent. Jamais. Retirez Ariel Henry. Almette pour le champ, Almette pour le monde.
États-Unis avec Ariel Henry, t'es pensé, il y a pas de troupes de gens de pays pour venir arrêter le monde sous base terroriste, sous base bandit, pour qu'on toujours arrêter le monde. Voilà, nous sommes de Moïse Jean-Charles, mesdames et messieurs, donc nous connaissons qui ça qui pral passé. Et nous espérons que moun sa yo pas quitter question poche yo, diriger yo, pas quitter intérêt personnel yo, aveugle yo, puis capable bénir combat que pays d'Haïti lui-même lui besoin pour mener. Avant nous aller dans fort connait que gain près de 19 000 moun qui touché par crise alimentaire vraiment de haut niveau dans Cité Soleil pour une première en Haïti selon programme alimentation mondiale la PAM. Donc pays d'Haïti a fait face ensemble avec yo crise alimentaire qui vraiment aiguë, yo crise humanitaire nous pas même besoin parler de li. Et c'est là nous mettez bout à rubrique pour aujourd'hui. Merci d'être que vous like, commenter, partager et merci d'être que vous invitez vos familles ou vos amis abonnez à Info 5 pour capable gagne bonne information. Nous pas rendez-vous pour prochaine sortie rubrique, ça restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine et bon week-end à vous tous.